chers internautes, vous qui êtes sur DMTV Sport, merci si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et certainement vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, DMTV Sport vous propose encore un retour sur une situation dont on avait déjà eu à traiter et analyser il y a peu. C'est le contentieux qui oppose ou qui opposait le tout puissant Mazembe au Raja Club Casablanca en rapport avec le transfert de Ben Malango à Raja de Casablanca. Vous savez que Ben Malango avait quitté le tout puissant Mazembe et était parti au Maroc à Casablanca au niveau de Raja Club, et que ce transfert ne s'était pas fait selon le respect en la matière, et le tout-puissant Mazembe avait entrepris des démarches au niveau de la FIFA et avait fait opposition à ce transfert. Et le joueur Ben Malango ainsi que son nouveau club, pour contourner cela, avait contacté la FIFA afin d'obtenir une autorisation provisoire afin que le joueur puisse jouer. Ce qui a été fait, le joueur Ben Malango avait obtenu de la FIFA une autorisation de jouer, une autorisation provisoire de jouer pour le compte de Raja Club. Dans l'entretemps, la FIFA se donnait en tout cas le temps de pouvoir traiter en profondeur le contentieux en question et promettait de pouvoir faire part de sa décision finale suite à cela. Et donc la décision est tombée, c'était la journée de hier, jeudi 5 mars. En fin de compte, la chambre des résolutions des litiges de la FIFA donne raison au tout-puissant Mazembe Englebert, club qui s'était plaint du transfert de Ben Malango comme joueur libre à Raja Club Casablanca. La FIFA lui donne raison, mais est-ce que cette décision de la FIFA satisfait le tout-puissant Mazembe? Est-ce que cette décision de la FIFA satisfait Ben Malango et Raja Club Casablanca? En tout cas, c'est ce que nous allons essayer d'analyser au vu de la publication de cette décision qui a été faite hier par la Chambre des résolutions des litiges de la FIFA, justement. Alors, pour mieux comprendre cette décision que la FIFA a eu à prendre et pourquoi nous disons que la FIFA a finalement donné raison au tout-puissant Mazembe, permettez-moi d'abord de vous faire un rappel sur ce qu'exigeait Mazembe en allant porter l'affaire au niveau de la FIFA. Alors, d'abord, la FIFA, le tout-puissant Mazembe, au niveau de la FIFA, réclamait, étant donné que le transfert de Ben Malango s'était fait selon le tout-puissant Mazembe, pas dans les règles de l'art, il n'y a pas eu transfert entre deux clubs, entre le Raja Club Casablanca, donc le certificat de transfert international n'a pas été délivré en bonne et due forme. C'est ainsi que Raja a eu recours finalement à une décision de la FIFA de permettre aux joueurs de pouvoir prester provisoirement. Le TP Mazembe, pour cela, pour le préjudice, réclamait une compensation financière à hauteur de 5 millions de dollars au Raja Club Casablanca. En dehors de cela, Mazembe souhaitait également que le joueur Ben Malango puisse être suspendu pendant 6 mois, que Ben Malango ne puisse plus jouer pendant 6 mois. Et pas seulement cela, le club mazembien souhaitait également que Raja écope d'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs pendant deux périodes consécutives de recrutement. Donc voilà un peu ce que le tout-puissant Mazembe réclamait lors de son accusation à Raja Club Casablanca ainsi qu'à Ben Malango au niveau de la FIFA. Le tout-puissant Mazembe avait
trois griefs qu'il avait porté au niveau de la FIFA et souhaitait une compensation financière, en dehors de ça la suspension de Ben Malango 6 mois, mais aussi l'interdiction à Raja Club de pouvoir recruter. Alors, la FIFA, qui vient de trancher au travers la chambre de résolution des litiges, a donné raison à Mazembe dans le sens que certainement le transfert ne s'était pas fait dans le respect des règles en la matière, et par conséquent Mazembe avait tout à fait droit à une compensation financière, mais cette compensation financière, la FIFA l'a évaluée à un montant de 296 996 dollars américains, et cette somme devra être payée dans un délai de 45 jours, donc en ayant 45 jours à dater de la date de cette décision, et c'est le joueur Ben Malango qui devra en tout cas payer cette somme-là. Probablement son club Raja pourra l'assister en ce sens. Donc voilà, la FIFA donne raison au tout-puissant Mazembe par rapport à ce transfert qui a été fait, mais la FIFA ne rencontre pas tout à fait les desiderata de tout-puissant Mazembe, parce que la compensation financière, tout-puissant Mazembe souhaitait 5 millions et la FIFA ne lui accorde même pas 10% de la somme souhaitée par le tout-puissant Mazembe. Mais du moins Mazembe obtient cela, c'est peut-être un peu symbolique pour d'autres joueurs. Vous savez qu'il y a Elia Mestra qui est également dans ce cas. Probablement lorsque la FIFA s'y penchera, Mazembe aura encore à avoir raison, mais avec la somme qu'on doit remettre au tout puissant Mazembe pour compensation en raison des problèmes de ce transfert, je ne pense pas que le tout puissant Mazembe soit tout à fait satisfait. Et aussi, en dehors de cette somme du montant fixée par la FIFA elle-même, la FIFA a rejeté toutes les autres demandes du tout-puissant Mazembe. Ainsi, elle confirme le statut de Ben Malango comme étant joueur du Raja Club Casablanca. Donc ce qui, en fait, permet à Ben Malango d'être qualifié pour l'ensemble des compétitions, y compris le match de quart de finale retour qui va se jouer déjà demain samedi 7 mars à Kamalondo, à Lubumbashi. Vous savez, comme lors du match aller, le Raja Club avait battu le tout-puissant Mazembe par un score de 2-0, et justement le premier but a été marqué par lui, Ben Malango Ngita, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, qui était en litige avec le tout-puissant Mazembe. Est-ce que cette décision de la FIFA va revigorer le moral des joueurs du tout-puissant Mazembe pour qu'ils fassent tout pour obtenir ce remontage qui leur permettrait de se qualifier pour les demi-finales? Nous n'en savons rien, mais du moins ce dénouement peut aussi réconforter Ben Malango, puisque finalement son statut de joueur qualifié pour jouer les compétitions et de joueur reconnu comme appartenant du moins jusqu'à échéance de son contrat au club Raja Casablanca, peut également le fortifier moralement, même si il y a à côté une somme à payer, près de 300 000 dollars américains. Mais nous savons que le Raja Club Casablanca est tout à fait en mesure de pouvoir assister le joueur par rapport à cette somme-là. Donc voilà, la FIFA, je dirais, s'est beaucoup plus penchée vers le joueur en rejetant les autres demandes du tout-puissant Mazembe, qui étaient faites probablement selon le règlement aussi, mais la FIFA a tranché, privilégie l'athlète, et donc Ben Malango va pouvoir continuer à jouer pour le club marocain de Raja Club Casablanca, et le tout-puissant Mazembe n'aura que près de 300 000 dollars américains comme compensation par rapport à ce transfert contesté. Voilà aussi ce que nous avions voulu partager avec vous ce jour, à la suite de cette décision de la FIFA, la Chambre des résolutions des litiges,
qui en fait vient 48 heures avant le match qui va opposer le tout puissant Englebert au Raja Club Casablanca, le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Pour rappel, le match aller s'était soldé par 2-0 à l'avantage du Raja Club Casablanca, et donc le tout puissant Mazembe va avoir cœur à faire ce remontada pour pouvoir se qualifier. Je dis que c'est pas impossible, on a déjà vu le tout puissant Mazembe battre l'Espérance sportive de Tunis par un score sans appel de 5-0 lors du match aller de la finale de la Champions League, et au match retour c'était un but partout. L'Espérance ce n'est autre que l'équipe détentrice de cette Ligue des Champions, et donc ce n'est pas impossible pour Mazembe. On a vu en face des groupes le tout puissant Mazembe battre le Zamalek d'Égypte par un score de 3-0. C'est donc pas impossible pour le tout puissant Mazembe. Pour le Raja Club de Casablanca, il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin de ce match pour espérer en tout cas obtenir la qualification. Il y a de la déconcentration, cela peut porter préjudice à ce club, mais en tout cas ce serait un match très compliqué, très difficile, vu que le tout puissant Mazembe n'a pas pu marquer là-bas à l'extérieur. Et certainement Jackson Muleka, c'est vrai, aura aussi à cœur de pouvoir se venger de ce match aller où il n'a pas eu trop d'occasions, où il n'a pratiquement pas eu de tir cadré. C'était compliqué ce match, et Jackson Muleka voudra bien répondre à Ben Malango, qui était son titulaire et qui en fait était parti pour que ce dernier puisse sortir aussi et prendre la relève. Donc on verra aussi un très bon match sur fond de ce dénouement qui vient de la FIFA, de la Chambre des résolutions des litiges, qui en fait a donné raison au tout-puissant Mazembe, mais une décision qui ne pourra peut-être pas satisfaire Mazembe, parce que n'ayant pas répondu à toutes ses demandes, et donc la FIFA qui aura rejeté la majorité des demandes du tout puissant Mazembe, quelque part donner aussi un tout petit peu raison au joueur Ben Malango. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mars, demain c'est le 7, le samedi, et nous allons suivre très attentivement ce match qui va opposer le tout puissant Mazembe Raja Club. Un match très important parce que il ne reste plus qu'un seul club congolais en compétition continentale, que ce soit en Champions League ou alors en compétition de la CAF. Et donc, les Congolais voudront bien voir leur club continuer, pourquoi pas aller jusqu'en finale. Impossible n'est pas Mazembe, comme ils le disent eux-mêmes. Nous souhaitons bonne chance au tout puissant Mazembe, mais en même temps, nous souhaitons aussi bonne chance à nos deux internationaux qui sont au Raja Club Casablanca, Ben Malango, Ngita et Fabrice Ngoma, un ancien de V-Club, qui font partie de la liste des présélectionnés des Léopards que le coach Christian Tengibiembe a publié. Voilà, DMTV Sport vous remercie. Encore une fois, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, nous vous disons merci. Ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos vidéos. Si vous avez aimé cette analyse, si vous avez aimé cette réflexion, laissez-nous un j'aime, cela nous fera aussi plaisir. DMTV Sport vous dit au revoir et promet de revenir très très bientôt pour d'autres réflexions, pour d'autres analyses. On vous dit au revoir.